Bon, et ben on a le behind the scene qui est sorti sur Star Wars 8. Je me suis habillé en conséquence, un peu de rouge, apparemment c'est le thème. Il y a des affiches qui ont été dévoilées, super belles. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On va se mater le behind the scene. Je le regarde en même temps que vous. Je pense pas réagir forcément, mais écoutez, ça nous permet de le voir ensemble et enfin si vous l'avez pas vu ou de le redécouvrir si vous l'avez déjà vu, et puis après je vous dis un peu ce que j'en ai pensé en 2-3 minutes. Allez, c'est parti, moi je lance la vidéo. Everybody set? 3, 2, 1, action. Episode 8. Gosh. The first film didn't even have a number. Ryan has written a story that's unexpected but right. Some of the stuff that happens, people are going to be like, oh my God. Even though I think I know it all, they throw things at me story-wise I never could have imagined. And even though everybody knows that it's the second in a trilogy, it feels like its own thing. Star Wars is so cool because there's all these creatures and all these amazing visual effects. But all the characters are also so complex. Ryan needs to work on his Wookiee sounds. Ridiculous. New director. I can't even just learn a Wookiee sound. It feels like the storylines are becoming more established. We're really getting to know these new characters. Also with the characters that we know and love, we're seeing their lives change. Everything is being shifted in an opposite way to what the audience expected after 7. Ryan's made Star Wars fresh and new. I'm hoping it'll be a little shocking, but I'm hoping it'll feel real and honest. It's our most ancient story of good against evil, told in the most fascinating way, but it has a real spiritual depth to it. Beautiful. It's about family, and that's what's so powerful about it. Ils font les choses bien quand même. Hein. Ah, ils font les choses bien. Ouais, moi je pensais que ça allait être une sorte de behind the scene classique, mais non, ils te mettent la musique, les effets, les ralentis, tout ça. Non, franchement, il y a du bon boulot et ça promet. Un avis rapide comme ça, je suis plutôt satisfait de ce qui a été dit. Alors après, ils peuvent venir n'importe quoi. Hein. Ils peuvent te dire qu'ils vont mettre tel ou tel truc et puis au final, ça prendra que 2 secondes du film ou alors ce sera très très amoindri. Mais en tout cas, je sais pas, je trouve que c'est quand même rassurant qu'ils nous disent que l'histoire sera déjà beaucoup plus claire, qu'on apprend beaucoup de choses, que le film pourrait même être indépendant, ça c'est pas mal. Mais ce que j'ai retenu aussi, c'est cette dimension spirituelle dont il parle. Peut-être justement un retour justement sur l'essence de la force. On va en apprendre beaucoup plus et ça va être extrêmement sympa. Et puis, autre point que j'avais noté, oui, Carrie Fisher le dit, très axé sur la famille. Heureusement, on pouvait s'en douter, mais c'est bien qu'elle le note. Et il y a beaucoup comme ça, alors j'ai pas tout retenu, mais il y a beaucoup de répliques comme ça qui sont très rassurantes. Il y a même des images aussi qui sont rassurantes, notamment, on voit pas mal de créatures. C'est bien, ça veut dire que du coup, ils mettent l'accent encore une fois sur les créatures. Alors,
qu'ils fassent gaffe de pas trop en faire non plus, mais bon, je leur fais confiance là-dessus. On a toujours tendance à dès qu'on voit quelque chose ou dès qu'un personnage parle de quelque chose, à l'émanciper, à en faire un truc puissance à milliard, et du coup, ça prend une ampleur incroyable. Je pense notamment à la nouvelle personnage asiatique. On se dit, oh là là, mais qui est-ce que ça va être, celle-là et tout, alors que peut-être qu'elle va avoir un rôle important, mais ce sera jamais autant important que Kylo, Finn ou Rey, par exemple. Voilà. Après, il y a vraiment de belles images qu'on a vues, notamment avec Luke, notamment des scènes de combat, des scènes d'explosion, tout ça. Non. J'ai vraiment un bon feeling. I have a good feeling about this. Non, vraiment. Vraiment, j'ai un très très bon feeling sur ce film. Après, bon, ils le vendent bien, ils peuvent le vendre de la manière dont ils veulent. Et c'est sûr que ça fera mouche tout le temps si tu fais les choses bien. Et peut-être qu'après, ce sera plutôt un mauvais film. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment toutes les composantes. Ryan me rassure. Il m'a l'air d'être un vrai fan qui veut apporter quelque chose. Certes, à mon avis, il sera très différent de Star Wars 7. Mais j'ose les croire lorsqu'ils disent qu'on va être surpris. Voilà, c'est tout ce que je vais dire là. Je suis très confiant, très content, et je suis vraiment pressé d'être cette fin d'année. Et ne vous prenez pas la tête, vraiment. Au niveau de votre hype, contrôlez-la. Je vous referai peut-être des vidéos là-dessus, justement, pour un peu vous calmer avant l'arrivée du film. Mais vraiment, vous prenez pas la tête avec des copier-coller ou quoi que ce soit. Appréciez ce qu'on va vous donner. Voilà, allez, je vous laisse. Retournez bien à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.